aujourd'hui les amis, nous allons voir s'affronter les animaux les plus puissants de la savane. En commençant par la chèvre. Oui, c'est un animal super puissant. Vous allez voir, je vais même en rajouter une deuxième. Et le combat le plus épique du monde risque d'arriver sous nos yeux, les amis, regardez. Ouais, bon. On a déjà vu mieux quand même. C'était pas incroyable. Bon, en tout cas, on a gagné pour ce niveau 1, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure, nous allons obtenir de bien meilleurs énergumènes, de bien meilleurs animaux. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? J'ai la possibilité de fusionner un truc vide et une chèvre. Ouais, je crois que le truc est pas aligné. Hop là, on met les deux ensemble et ça donne un cerf, les amis, c'est déjà un petit peu mieux. On va directement le placer sur le front de l'attaque, comme ça. Hop là, il va s'occuper des deux petites chèvres juste avant que ma chèvre arrive, quoique elle est déjà arrivée. Mais en tout cas, le combat est gagné et on a pour l'instant vraiment élevé nuls animaux, c'est vrai, de la savane, j'avoue. Bon, les prochains arrivent. Bon, en tout cas, salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui sur Animal Merge, un jeu dans lequel, vous l'avez compris, nous allons tenter d'avoir la meilleure évolution, mais surtout de gagner les combats les plus difficiles de cette planète. Alors hop, on a la possibilité de découvrir donc l'évolution suivante, ou alors je pourrais faire battre mes trois cerfs, ça peut être pas mal. Je me demande quel est le prochain animal, mais on va faire comme ça pour commencer. J'ai tellement envie de faire un 3 contre 3, c'est parti. Boum. C'est exactement ce que je pensais, ils ont fait une bouchée des deux chèvres, ils sont allés se remettre sur le cerf au milieu. Alors apparemment on va avoir quelques petites quêtes à remplir. Oh, débloquer l'éléphant. On va pouvoir avoir un éléphant. Ah ben oui, tout à fait, hein. C'est ce que je disais, les animaux les plus dangereux de cette savane, les plus puissants. Et on a maintenant le loup, les amis. Oh, ils ont aussi un loup. Non, ils sont plus puissants là. Je vais perdre mon premier combat. Qu'est-ce que c'est que ce bouton là? Soleil et pluie. Quoi? Comment ça? Activer la... qui a envie d'activer la pluie? À quel moment je me suis dit je vais jouer à Animal Merge et je vais activer la pluie? Oh, je suis tellement triste de voir tous ces animaux perdus au combat. Leur vie doit être tellement difficile. Allez, enlève-moi cette pluie, on y va, on repart au combat. Ah non, c'est vrai que je vais perdre. Aïe, 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 aïe. Non. Oh, mais le loup, regardez, je vais même pas réussir à défoncer un seul animal assis. J'ai réussi à avoir un cerf, mais je me suis fait complètement allumer. Mais ce n'est pas un problème, les amis, car je vais gagner énormément d'argent, vous inquiétez pas. Donc voilà, ils m'ont donné 2000, ce qui va me permettre d'en acheter directement deux. Et alors là, on a la possibilité de découvrir une nouvelle évolution. Ou est-ce qu'il vaut mieux pas garder les deux loups, les amis? Je pense que les deux loups peuvent faire l'affaire. Donc, on les combinera ensuite. Mais allez, les amis, go tous les amis. Donc là, j'ai un loup qui s'occupe des deux cerfs sur la droite. Et ensuite, bah, les autres, ils essayent de faire comme ils peuvent, mais ils sont force égale, donc normalement ça devrait le faire, à moins que je perde mon loup à droite. Non, c'est bon, on l'a pas perdu, on a perdu personne. GG les gars, bravo. Maintenant on va pouvoir découvrir ce que ça fait de fusionner deux loups ensemble. Une hyène. Oh, les hyènes sont plus puissantes que les loups. Bon, en tout cas, je vois pas de hyènes en face, donc on devrait gagner assez facilement ce combat, les amis, juste avant de changer de biome, puisque là, on était parti en mode hiver. Ne serait-on pas parti parler pour les 4 saisons, là, juste après, là? Ah non, il me reste encore un combat en mode hiver, mais en tout cas, ils ont sorti une petite hyène. Oh, va falloir faire gaffe, moi, je vais ressortir un loup, un cerf, et je pense qu'on est pas mal, les amis. Non, je vais perdre, en fait, là. Je vais perdre. Ils sont supérieurs à nous. Allez, 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 ma hyène. Oh, elle a tapé en premier. Ouais. Allez, tu peux le faire. C'est tellement chaud. Le combat va être gagné. Wow. Yes, 14 000 d'argent, mais c'est énorme. Je pourrais me faire gaver deux petits combattants pour la suite. Donc allez, deux cerfs ensemble, deux loups et ensuite deux hyènes ensemble, ça donne. Oh, Buffalo, c'est un bélier. Bam, c'est parti, vas-y le bélier. Oh, il a one shot. Alors, il va pas one shot la hyène, mais en 3 coups, je devrais pouvoir battre la hyène. Oh là 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 là. La victoire se profile pour nous, les amis. Bon, très bien, j'ai encore eu beaucoup d'argent qui va me permettre d'acheter 4 combattants encore. C'est énormissime. Et malheureusement, pas de nouvelle fusion possible. Mais ce qui est sûr, les amis, c'est qu'on va encore gagner ce combat. Puisque eux, ils ont une chèvre. Et moi, j'ai le loup en plus, qui fait la petite différence qui va m'apporter ma victoire, normalement. Je l'espère. C'est même sûr. Bam! Un seul coup. Donc alors, en théorie, je vais pouvoir avoir assez pour... ah non, il va me manquer une hyène, je pense. Ah ouais, il va me manquer une petite hyène, mais c'est pas un problème. Oh, mais le combat va être facile, là. Quoique, si c'est bon, j'avais oublié que j'avais une hyène à gauche, c'est bon. Hop là, on s'occupe du bélier, et après, ça ne sera que de la non-gnognotte, ce petit loup-là. Boum! Boum! Victoire! Parfait, on est revenu sur une plaine, non pas enneigée, mais plutôt sur du bon temps. Hop là, oups! Non, enlevons ça. On n'a pas besoin de pluie. Hop, qu'est-ce qu'il me manque? Oh non, il me manque un! Il me manque une seule chèvre pour avoir la prochaine évolution. Donc allez, on gagne ce combat normalement. J'ai pas trop regardé ce qu'ils avaient, mais on avait l'air d'être plus ou moins à force égale. Même si j'avais une chèvre en plus et un cerf en plus, je crois. Donc allez, on n'a plus qu'à les terminer.
Et maintenant, les amis, on va découvrir une nouvelle évolution. Bon, par contre, il va plus me rester personne, hein, je crois. Je vais tout fusionner, il va me rester qu'une seule personne. Ah, mais non, parce que j'ai eu d'autres argent, donc ça va. Mais allez, j'en achète un et on fusionne. On fusionne ça, on fusionne ça, on fusionne ça. Il va me rester plus qu'une seule. Plus qu'un seul animal, mais c'est pas grave, j'ai encore un peu d'argent. Mais en tout cas, on le découvre. C'est l'ours! Pourquoi il est bleu? Est-ce que c'est un ours polaire? Si j'active l'eau, est-ce que... Non, il a pas changé de couleur. J'ai eu un ours shiny, les amis, comme dans Pokémon! Mais il va faire tellement mal! Oh là là, c'est... Oh, ça va être incroyable! Boum! Oh là là, le loup a pris tellement cher! Et alors, le bélier, en trois coups, je l'allume. Oh là là, quelle puissance de fou malade! Mais attends, je peux en acheter tellement, là! C'est quoi ce délire? Comment ça se fait? J'ai pu remplir tout! Ah non, quasiment. Hop là. Bon, bah, c'est parti pour faire un maximum de merge. Mais c'est un truc de fou, tout l'argent qu'ils m'ont donné, là. Est-ce que c'est parce que j'avais peu de combattants? Je sais pas. Mais en tout cas, on est bien, regardez. On a déjà récupéré une hyène. On dirait un ours, un petit peu. Un ours un peu plus fin, quand même. Hein. Mais... Hop là, c'est parti! On y va! Yep! Oh, mais ça a été super vite, là! Easy! Alors parfait, on va pouvoir quasiment re-remplir toutes les cases, mais malheureusement, on n'aura personne d'autre, je crois. Oui, parce qu'il va nous manquer un petit bélier, donc allez, on repart au combat, on va aller voir un petit peu les quêtes. Si j'en ai complété, en espérant qu'on gagne ce combat, ça te... Oh, quoi? Je... C'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Oh, allez, ma chèvre, on compte sur toi. Non, je crois que tu ne sers absolument rien. Elle fait tellement peu de dégâts, c'est abusé. Victoire! Donc, allons voir si j'ai la possibilité de récolter quelques petits trucs. Ah, mais c'est automatique, c'est pour ça que je gagne gavé d'argent à chaque fois. Parce que là, par exemple, j'ai plus la quête... Ah si, Unlock Elephant. Oh, eh ouais, je l'ai encore, donc c'est pas automatique, faut que j'aille les chercher. Mais en tout cas, ils m'ont pas donné grand-chose hein, pour toutes les quêtes que j'ai faites. Bon, c'est pas grave. Bon, pas de nouvelle évolution pour ce niveau-là, mais c'est pas grave. Au moins, est-ce qu'on peut gagner le combat? Oh, ça va être limite, hein. Ça va le faire, mais ça va être limite quand même, hein. Il va pas falloir perdre de temps, mon ours. Non, il va faire plus mal. Il faut tuer l'ours, faut tuer l'ours, maintenant. Non. Oh, c'est pas si juste. Il m'en restait 15, c'était mon bélier. Ils m'ont tous abandonné. Ok, là, normalement, je devrais avoir assez pour découvrir donc l'évolution suivante qui s'annonce incroyable parce que là, on en était à l'ours. Alors, imaginez la suivante, les amis. Deux hyènes ensemble, deux buffalo, deux ours et ça donne un tigre. Oh, un tigre blanc, un tigre polaire. Oh, il est trop stylé. Hop là, tac, tac. Je mets son petit frère à côté, là. Le petit loup. C'est parti, allez, mon petit loup. Tu vas le faire. Ah, mon petit loup va mourir. Non, c'est pas grave. Oh. Par contre, le tigre a un coup de patte incroyable qui fait tellement mal. J'ai gagné quasiment 500 000 coins. Et ça y est, les amis, j'ai donc mes deux tigres polaires qui vont pouvoir être fusionnés pour ce niveau 27. Et ce qui va donner un rhinocéros. Mais je le savais parce qu'il y en a un en face qu'il va falloir battre. Et ouais, mais ils sont chauds, hein. Heureusement, j'ai 7 hyènes encore. Non, mais attendez, je peux perdre ce combat. Je vais peut-être perdre ce combat. Boum. Oh, par contre, mon rhino, il a fait qu'une seule bouchée de l'ours. Hein. Oh, ça va peut-être le faire. Allez. Allez, mon ours. Allez, mon pote. Je vais y laisser mon rhino. Ah non, ils se sont neutralisés entre eux. Yes. C'était chaud quand même. Hein. Regardez mon équipe, les amis. J'ai absolument tous les animaux que j'ai débloqués depuis le début qui sont tous réunis. Mais. Ce qui est sûr, c'est qu'il me semble que à partir de là, je vais pouvoir tout fusionner et découvrir donc, hop là encore un, la nouvelle évolution. Bam, l'éléphant, ça y est, il est là. Oh. Waouh. Ah, attendez, j'ai encore assez d'argent pour débloquer des petites chèvres, mais est-ce que mon éléphant suffit à détruire deux ours, un tigre? Est-ce que c'est possible? Apparemment, oh là là, il est en train de les allumer. Trop facile! C'est là! Allez, la victoire! Bon bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Regardez les quelques petits animaux qui nous manquaient, notamment ce crocodile, le lion, le gorille et deux dinosaures. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!